une protocole qui a fait exercer de la médecine de Montréal. Donc, par exemple, lors des traitements qui arrivent dans le cas de Montréal, qui est hautement problématique en termes de pollution et aussi de pauvreté avec toutes sortes de dynamiques sociales, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de ce qui se passe pour une région qui se trouve avec un peu plus moins de moyens et aussi moins de budget? C'est ça que ce projet de loi, en plus de ça, ce projet de loi de développer le journal est intéressant parce qu'on prend le plus en fait. Je pense que c'est là que c'est difficile, et souvent quand on prend en perspective de l'environnement, le camp, on est de ce qu'on doit faire avec le camp pour bâtir, puis en fait, ça se fait, et on trouve toujours des solutions. La bonne élection est par le bâti, mais quand même, il reste beaucoup plus de marge de manœuvre. Le plus gros problème, c'est effectivement la contamination. Il faut savoir que les commerciales, il y a différentes villes, il est entièrement contaminé, il y a des fonds de développement comme ça, c'est fini. À part pour les espaces verts, les petits stades, c'est pas mal contaminé. Donc, il reste particulièrement une contamination civile. Alors, c'est sûr que cette entente qu'on s'est écrit dans la ville de Montréal, qui va vraiment se lever de faire un développement à grande échelle, c'est une ville en Montréal, c'est qu'on a une fonds à 100 millions de dollars de facturation pour les contaminés. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de devoir réfléchir à, en fait, en commençant des contaminés maintenant des sections pour cette question, quand tu vas y avoir sur des communications, soit des commerces, différents types de projets, qu'on soit des projets de longueur d'avance, qu'on puisse le penser non pas en fonction des coûts des compétences, mais en fonction des besoins réels et des opportunités réelles. Parce que souvent, la matière d'ailleurs, parce que vous l'avez dit, Nathalie, c'est souvent la voie. Et même pour une ville comme Montréal, qui peut, on s'est engagé dans la construction avec une façon extrêmement claire, pour être investi dans notre programme de budget, c'est 20 millions de dollars par année pour acheter des terrains pour pouvoir transformer un espace vert. Avant, ça faisait partie de 5 millions pour pouvoir augmenter le taux de la qualité, mais vraiment, prenez de l'objectif, un objectif de 25 % pour le logement, pour être à 20 % puis on stagne depuis très longtemps. On veut augmenter à 20 %, moi je trouve que ça va passer vite. On veut augmenter à 25 % pour 2025, c'est ça qui est l'objectif. Mais il faut mettre l'argent, il faut mettre les moyens nécessaires pour réaliser. Donc voilà, l'idée, si je reviens à l'Est, c'est de, tant mieux si on a le gouvernement qui est prêt dans le développement de l'environnement, de dire, mettons certains des ressources. Après ça, il y a encore des moyens financiers. La ville de Montréal, tout ce qui est accès au point de vue, comment dire, l'énergie qu'on veut mettre pour des espaces verts, on veut plus que des toits verts. Parce que là, on contrôle le temps de la guerre, c'est. Pour la construction, on a un certain nombre de manœuvres au niveau de votre niveau, mais maintenant, d'ailleurs, on demande pour les années à venir, ça va être le transport collectif et le circuit court, qu'on ait besoin d'avoir des autorités supérieures qui embarquent, non pas dans un plan de transport civil, mais une véritable évolution du style de transport qui est complètement hallucinant. Alors, cette évolution-là, je vois ça à l'échelle de Montréal, je vois ça à l'échelle du Québec au centre de ville. Et là, ben, moi, j'ai besoin, quand je l'entends parler, je me dis, tu vois, la Québec, tu as choisi un petit peu, parce que moi, je suis vraiment ça, c'est que ça, mais c'est vrai, c'est fascinant. C'est vrai, c'est quelque chose, c'est lié